Johnny Depp lance de nouvelles accusations contre Amber Heard et ça ne vole pas haut. Le torchon brûle toujours entre Johnny Depp et Amber Heard. Les deux stars, mariés durant 15 mois, ont vécu un divorce catastrophique, alimenté notamment par les accusations de violence conjugale formulées par l'actrice à l'encontre de la star de Pirates des Caraïbes. S'il a récemment fait modifier certains de ses tatouages pour insulter son ancienne épouse, Johnny Depp est revenu une fois encore à la charge avec des accusations plutôt singulières. Selon The Mirror, la star hollywoodienne affirme en effet qu'Amber Heard aurait déféqué sur leur lit marital en avril 2016 pour se venger des 2 heures retard de son mari à son anniversaire. Des déclarations qui font suite aux révélations de Johnny Depp sur le fait que son ex-femme pouvait être violente. Une source a indiqué que c'est la femme de ménage qui aurait retrouvé les excréments sur les draps et qu'il existerait même des preuves photographiques de l'incident. De son côté, Amber Heard a affirmé que la matière fécale retrouvée dans le lit appartenait à elle et son chien Beau. Beau a de sérieux problèmes pour contrôler ses intestins. Ce n'était pas une mauvaise blague ou quelque chose fait pour manquer de respect. C'est un acte innocent, c'est ce que font les animaux. Nous n'avons que cela à dire. Madame Heard a tourné la page et ne veut pas alimenter ce genre d'absurdité, a défendu une autre source proche du dossier. Ce n'est pas la première fois que l'ex-couple et leur chien font parler d'eux. En 2015, Amber Heard n'avait pas présenté ses deux canidés, Beau et Pistol, lors de son passage en douane australienne. Un manquement qui lui avait valu une convocation devant la justice. Johnny Depp et son ex-épouse avaient au final dû présenter des excuses filmées dans une étrange vidéo.